se passe au Moyen-Âge, dans une ville de Germanie, qui subit un jour les ravages d'un millier de rats en furie. Indifférentes à la misère, les bêtes mangeaient les récoltes, et les paysans en colère étaient au bord de la révolte. Devant la menace mortelle, les malheureux en désarroi venaient prier dans les chapelles lorsque l'étranger arriva. Je les emmène à la rivière, si vous me payez 100 écus. Les gueux, les riches l'acclamèrent dès que le marché fut conclu. L'inconnu joua de la flûte aux abords de la cathédrale. Alors en moins d'une minute, comme s'ils entendaient un signal, les rats surgirent en ribambelle, formèrent un étrange convoi, et l'homme jouant de plus belle dans la rivière les noya. Il est revenu dans la ville, mais les habitants du canton, quand il a tendu sa sébile, l'ont chassé à coups de bâton. La foule riait sans embâge, mais ceux qui ont frappé le fuyard, quand il a montré son visage, ont vu la mort dans son regard. Alors une nuit de septembre, et comme portée par le vent, une mélodie se fit entendre, qui réveilla tous les enfants. Ils se levèrent sans méfiance, abandonnèrent leur maison, quittèrent la ville en silence, et disparurent à l'horizon. Leurs mères sont devenues folles, on ne trouva que deux gamins. L'un avait perdu la parole, et l'autre ne voyait plus rien. Ainsi dans la ville martyr, le peuple n'en saura pas plus, car le premier n'a rien pu dire, et le second n'avait rien vu.